C'est la revue de presse, effectivement, avec Samuel Etienne. Bonjour Samuel. Bonjour Maxime. Bonjour Anissa. Bonjour Samuel. Bonjour à tous. Allez, pour bien se réveiller, un petit problème mathématique. C'est oui, <laughs> l'humanité qui le pose ainsi en ces termes. Vous allez voir, c'est compliqué. Sachant que le prix de la viande n'a cessé d'augmenter ces dernières années et qu'en revanche, le prix payé au producteur, lui, est resté stable, Pardon. Ouais. Qui s'est mis la différence dans la poche Alors, vous savez sans doute que les éleveurs accusent la grande distribution, qui, elle, accuse les abattoirs et les laiteries. Bref, ça n'est la faute de personne. Problème mathématique, donc devenu éminemment politique. Les manifestations d'éleveurs, vous le savez, se multiplient, se durcissent. On en a parlé dans les journaux d'Europe 1. Dimanche de colère, titre Le progrès de Fécamp, par exemple, à propos d'hier, c'est l'épreuve de force pour Ouest-France, le quotidien breton, dans une terre frappée de plein fouet, s'il en est, par cette crise. Le Patriotisme peut-il sauver les éleveurs se demande le progrès. Après l'appel de François Hollande à manger de la viande française, non. non. Le patriotisme ne sauvera pas nos éleveurs, répond le Figaro. Ce qu'il faut pour le journal, c'est libérer les paysans, baisser massivement les charges, arrêter les accabler avec des normes, freiner les ardeurs des zadistes et militants de l'environnement, afin de se battre avec les mêmes armes que les autres dans le grand marché a ouvert la mondialisation. Bon, des propositions qui ne seront pas du goût de tous, mais qui ont le mérite d'exister et de sortir de l'impuissant constat, c'est la faute de tout le monde et donc de personne. Et le Figaro, Samuel est allé recueillir la parole des agriculteurs, justement. Oui, Maxime. Comme comme ce couple de la Manche, Roger et Martine, un des plus gros élevages de porcs de la région, 2 millions de chiffres d'affaires et un chèque de 27 euros qui vient d'être rejeté par leur banque. On nous traite comme des gueux. C'est humiliant, lâche Martine. Les agriculteurs français à bout de souffle, comme Xavier tenait aussi. Tous ces tracas pèsent bien sûr sur la vie au quotidien et certains craquent. La femme de Xavier, qui était son associé sur la ferme, vient de le quitter. Une autre crise ce matin, Samuel, celle de la Grèce. En ce jour important, bien sûr, pour les Grecs de la réouverture des banques, vous en parliez tout à l'heure dans les journaux. Le Parisien s'est demandé ce que ça faisait d'être dans la tête de celui qui est au cœur de cette crise, le premier ministre grec Alexis Tsipras, un homme dont on sait finalement peu de choses. Alors, le Parisien fait le portrait d'un homme simple, locataire de son appartement dans un quartier populaire d'Athènes, qui fait lui-même le café à ses visiteurs. Anissa, si jamais vous passez par là un jour. Avec grand plaisir. N'hésitez pas, petit café. Un homme simple, d'un calme étonnant, un proche évoque son mental et ses réflexes de grand fauve dans un corps de gentil Labrador pour famille nombreuse. Le Parisien révèle par ailleurs que sa compagne avait menacé de le quitter s'il cédait trop aux exigences des Européens. Forcément, ça, ça met la pression. Et puis, vous le savez, Tsipras, ça n'est pas le meilleur ami d'Angela Merkel. Le dessin du jour du Parisien fait dire à la chancelière allemande :« Tsipras, le seul homme que je connaisse qui réussisse à retourner sa veste quand il est à poil. » La Grèce, le cauchemar de Merkel, donc, mais le rêve de certains. Européens. Mmh, ces Européens qui rêvent d'immobilier grec, constate le Figaro, pour qui la réouverture des banques pourrait se traduire par une frénésie d'achat de maisons, d'appartements. Depuis 2007, les prix ont baissé d'environ 40%. Euh, Nicolas Muni, fondateur de l'agence Demeure de Grèce, indique, euh, lui, qu'il y a de très bonnes affaires dans la périphérie d'Athènes, accablées de dettes. Certains Grecs, en effet, sont en train de concéder des rabais de 60 à 70%. Le malheur des uns fait le bonheur des, des autres. Bravo, je vois qu'on connaît ces elle a également retenu votre attention ce matin, la une de Presse Océan, Samuel. Et vous allez vous demander pourquoi, euh, puisque cette première page est consacrée au contrôle renforcé des plaisanciers en cette période estivale, tout mmh. à fait euh, courant euh, l'été. Vous avez peut-être vu d'ailleurs dans les JT ces reportages où on voit les affaires maritimes monter à bord des embarcations, étiquées oui. euh, sur un extincteur qui est un petit peu trop vieux, un petit truc qui manque sur le bateau. Et ça m'a fait rigoler. Et je vais vous dire pourquoi. pourquoi Parce que je venais de lire un article passionnant dans un quotidien américain, le New York Times, qui faisait ce constat. Il y a peu d'endroits sur la planète où le droit est aussi peu respecté que les océans, où de graves crimes sont commis tous les jours en toute impunité. Des meurtres, tout d'abord, des milliers de marins, de pêcheurs, de migrants qui disparaissent chaque année dans des circonstances suspectes. Le New York Times raconte comment il est très facile de jeter quelqu'un par-dessus bord dans les eaux internationales, que les enquêtes sont très difficiles quand elles se font. Et puis, il y, y a bien sûr les trafics en tout genre euh, sur un nombre de bateaux tels qu'il est impossible de les contrôler correctement. Et puis il y a la pollution, les journaux expliquent que les navires polluent plus avec le rejet, leur dégazage, leur nettoyage de cuves sauvages, bien plus, c'est étonnant, que l'ensemble des voitures dans le monde. Pour le New York Times donc, les océans sont un nouveau Far West où, faute de moyens des États pour les contrôler, les hommes et les lois sont jetés par-dessus bord. On sait contrôler le plaisancier qui navigue avec sa famille près du rivage, pas les trafiquants de drogue ou d'êtres humains. On reste dans le domaine maritime avec cette spectaculaire attaque de requin. Et oui, vous avez peut-être vu les, oui. les images à la télé ou sur Internet, c'est vrai. Incroyable. Elles sont sur europe1.fr. Voilà, l'équipe revient aussi sur cette attaque d'un surfeur australien en pleine compétition en Afrique du Sud, attaque en direct devant les caméras de télévision. Et là, moi, j'ai pensé à toutes ces doctes explications rassurantes sur les attaques de requins. Vous savez, c'est très rare, les requins n'attaquent ouais, pas l'homme, vous avez plus de chances de mourir d'une piqûre d'abeille. Oui. Foutaise car moi qui appartiens à la génération traumatisée des dents de la mer, bah qui oui. a vu les dents de la mer 1, 2, 3, 4, et qui suis capable de nager à plus de 10 mètres du bord. Oh. Je, je, oui, c'est vrai. Je, je sais que ça arrive, les attaques de requins. La preuve, c'est page 12 de l'équipe. Vous aussi, vous avez été traumatisé ah par bah les oui, dents de la mer Complètement. Moi, je me suis arrêté 1 hein, d'ailleurs. Complètement. Vous, vous avez bien fait parce que les autres sont très mauvais. D'accord. Déjà que le premier. Encore un petit mot des vacances. <laughs> Pardon. Avec ce bijou d'enquête dans la dernière édition du Monde intitulée "Cet été, je squatte". Oui, face à la baisse du pouvoir d'achat, ils sont de plus en plus nombreux. Euh, ces jeunes adultes à aller squatter euh, chez des amis, mais bien souvent chez papa, maman pendant les vacances. <laughs> Forcément, c'est moins cher. Bah oui, Et puis les parents, ça fait des babysitters hyper disponibles. C'est vrai aussi. Et puis <laughs> gratuit. Comme ça, on passe de super vacances, super décontractées, super économiques. Et le Monde se désole pour ces retraités dont les étés sont devenus un enfer. Deux mois à cuisiner, à faire la à faire des excursions pour toute la maisonnée et qui n'ont parfois qu'une hâte, que les vacances finissent et que les squatteurs, les piques moi j'ai envie de dire, s'en aillent enfin. Voilà. Bon courage pour les vacances, alors c'est comme qu'on devrait dire désormais. Bon, surtout. bon, courage. bon courage. Merci beaucoup, c'était la revue de presse de Samuel Etienne.